bouldering, lead climbing, and speed climbing. On the professional circuit, they're three separate disciplines, each with its own champions. But for the Olympic Games, they're being combined. La Fédération internationale, pour ne pas laisser une des activités derrière, a décidé de faire un mixte des trois, donc un combiné des trois disciplines. Et c'est pour ça qu'on a les trois disciplines. Donc les athlètes qui sont là ne sont pas des spécialistes dans les trois disciplines. There are three very different areas and sets of skills. Lead involves climbing a 15-meter high route. Whoever gets closest to the top wins. Bouldering is more technical, with a lower wall where you have to reach the last hold with as few attempts as possible. A speed race is simply a sprint to the top. On doit pousser un curseur dans quelque chose pour chaque discipline. Donc le curseur explosivité pour la vitesse, le curseur force et imagination et créativité dans le bloc. En difficulté, l'effort est plus long. Donc après, les capacités d'adaptation, prise d'information et régulation. For the athletes to conquer a new discipline, it means a return to base. On prend sur nous, on retourne sur les bancs de l'école et on apprend une nouvelle discipline, un nouveau sport. Et avec de la patience et de l'application, on arrive à progresser. From the second half of the 19th century, mountaineers began to form clubs to attempt increasingly dangerous climbs together. With the advent of modern competitions, artificial walls were built to preserve nature. Less than 40 years later, climbers will scale Olympic walls. C'est un premier pas, le combiné avec les trois disciplines. Pour Paris 2024, il y aura un deuxième pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dissociation entre vitesse et un combiné bloc et difficulté. It's a young sport with a growing number of enthusiasts. Climbing's goal is to establish a long-term place for itself in the Olympics and help extend its international reach.